Et voilà ce qu'il fait. Que quand vos légitimes montrent leurs fesses au peuple, ainsi qu'à vos intimes, on peut souvent y lire, imprimer à l'envers, les échos, les petits potets, les faits divers. Et si vous entendrez souvent à travers les plaintes du boudoir de ces dames des râles et des plaintes, ne dites pas, c'est tonton Georges qui expire. Ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme un 14, debout les morts, ne bombez pas le torse. C'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de recherche. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de lécher quelquefois des plumes dans la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Bon. Tous les deux ont raison. Vénus, parfois, vous donne de méchants coups de pied, qu'un bon chrétien pardonne parce que s'il cause du tort aux attributs virils, ils mettent rarement les visages et en péril. Eh bien oui, c'est tout ça. Rançon de Mesroden, hein. La barque pour Citer est mise en quarantaine, mais je n'ai pas encore, non, trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, hein, c'est que je baise, comme un bouc, un bélier, une bête, une brute. Je suis hanté, le rude. Retrouvez la deuxième édition des Fantaisies Toulonnaises, du 31 mars au 4 avril, le Festival du Musicole à Toulon.